Hey, salut tout le monde, c'est Dark Sprite Angel et re-bienvenue dans ce petit let's play de Deltarune. Et c'est reparti. Attention au labyrinthe de la mort, prépare-toi à te perdre, clown. Signé Lancer. Alors bon, bah, je vais peut-être plus lire signé Lancer à la fin puisqu'on sait que c'est lui hein, maintenant. Tu te sens perdu, tu dois vraiment être sans aide à travers tous ces changements et retournements. Le sens de la direction ne t'aidera pas maintenant. Signé Lancer. On dirait une sorte d'ennemi. Et on dirait qu'ils ont Clobbered. On dirait qu'ils ont été assommés ou... Ouais, c'est ça. Ou frappés. Bon, bah ça, c'est Suzy, y'a pas à chercher. Eh, attends, où est-ce que je suis? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je suis perdu. Lancer. Alors en fait, c'est Suzy qui a dû les écraser au sol. Tu as ouvert le coffre au trésor. Et à l'intérieur, tu as trouvé un ruban blanc. Ce ruban est une armure, Chris. Il augmente ta défense. Pourquoi t'essayes pas de le mettre dans le menu des équipements? Je pense qu'il devrait rendre bien sur toi. Ok, ça roule. Oh, deux rubans. Et regardez, apparemment ça m'a rajouté de la cuteness. Genre apparemment je suis mignon. Maintenant ça m'a rajouté de la mignonitude. Et lui il a déjà une red scarf, ok ça roule. Hey, regarde pas ce panneau, c'est privé. Il a des légers problèmes hein, le machin là. Du coup, ça serait peut-être par là la route. Il s'est fait défoncer. Ouah, attendez une minute. Même si vous êtes mon ennemi, j'ai oublié de vous prévenir. Une bête géante violette est venue et a tabassé tout le monde. Tous les gens qui bloquaient sa route. Pleure. Je n'aime même pas me battre. Le roi ne nous allait pas laisser de choix. Oh, Chris. On a besoin d'arrêter Suzy et vite. Ouais, désolé, créature. Ah, c'est juste la route, signé Lancer. Ah, donc tu as survécu au labyrinthe. Mais ne prends pas ta chance avant qu'elle ait éclose. Ah, c'est une chance, c'est genre, ne crois pas que t'es si chanceux que ça. Voyons voir comment tu peux tenir contre cette team. Oh, facile. Très facile, poteau. C'est quoi X-Flatter? Tu as demandé à Ralsei de flatter tous les ennemis. Je vais faire du thé plus tard, vous vous en voulez un peu? Eh, hey, pourquoi vous êtes pas fait défoncer? On vous dépasse complètement, les gars. T'as fait une team avec que des ennemis de support. Le pattern de leurs armes, enfin de leurs... Bah en gros les cœurs qui tournent là, ça bouge pas du tout. C'est comme si... C'est comme un dîner fait avec seulement 3 verres de lait. Ah. Et c'est un peu commun en fait. Pourquoi on parlerait pas de ça après la bataille? C'est bon, maintenant on peut l'espérer. Bien joué, Chris. Cool. Vous avez gagné combien? Tu as perdu, Lancer. Tu as rien gagné. Oh, je peux avoir un peu de votre argent? Non. Ok, très bien. À plus, loser. Ah, je crois qu'il a dit combien j'ai gagné. Mais en fait... En fait, c'est combien j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Combien vous avez gagné, en fait. Yo. Je croyais que tu t'étais barré. Ouais, j'ai fini. Ah bah ça va encore falloir courir là. Tiens, comment je veux faire ça moi?
Chris, je pense qu'on oublie quelque chose. Peut-être qu'on devrait essayer ça dans la pièce d'à côté. D'accord. Ah ! Ouvre-toi, porte stupide ! Oh ! C'est cool, c'est vous les gars. Suzy ! On était tellement inquiets à propos de toi. Comment t'as fait pour passer ces pics ? Bah, j'ai marché à travers. Mais cette porte, elle pue. Ah, t'inquiète pas, Suzy. Elle s'ouvrira après qu'on a fait le puzzle là-bas. Cool. Dis-moi comment le finir. Suzy, on a besoin de toi pour le finir. Ce puzzle demande 3 personnes. De plus, seul Chris peut sceller la fontaine des ténèbres. Donc si tu nous accompagnes pas, on pourra pas retourner à la maison. Donc t'es en train de dire que je suis obligé de traîner avec vous les gars. Ouais. Très bien, laissez. Faisons ça le plus rapidement possible. Super Suzy, est revenue dans la team. Je trouve ça bizarre que les pièges, enfin que les. Comment dire, les puzzles soient faits. Vraiment pour 3 personnes. On dirait genre que c'est un truc qui a été prévu par quelqu'un vraiment dès le début. Suzy vous suit à distance, comme ça personne pourra dire qu'elle est associée à vous. Un truc nul. On dirait que la porte s'est ouverte. Et bah voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh Chris, Suzy n'a jamais eu de tutoriel non plus. À la prochaine bataille, nous devrions lui montrer comment agir. Je pense que elle va vraiment apprécier ça. Non, elle va pas kiffer du tout, crois-moi. Serround vous a attaqué violemment. Check warning X compliment. Warning. Warned, Serround about Suzy. Hey, wait. Why the hell are you giving the enemy advice? Bah, comme ça, on va pas le frapper accidentellement. Le frapper, c'est le point, abruti. Il nous a attaqué, donc il meurt. C'est simple, non? Mais, Suzy. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. N'as-tu pas envisagé que l'ennemi pourrait être sympa? Ok, ouais. Il y a un mot pour ça. Ah, c'est quoi? Frapper le premier. Ah, bande d'idiots! Il s'est barré! Waouh, c'était chaud, Chris. Peut-être qu'on devrait lui parler. Ouais, c'était un peu chaud, effectivement, pour moi. Et il n'y a pas moyen de lui retirer sa hache au pire dans les objets? Non, on peut pas lui retirer. Je me suis glissé ici et j'ai fait un panneau. Hein, Suzy, tu as oublié ce qu'on t'a dit plus tôt. Les héros ont le pouvoir de faire un futur pacifiste. Donc, à partir de maintenant, on va essayer d'éviter de se battre, d'accord? Si t'essayais juste d'y aller mollo sur eux. Si tu blesses un petit peu un ennemi, peut-être que je pourrais utiliser un sort pour les pacifier. Un peu comme quand on force les gens fatigués à se reposer. Ouais, ouais, c'est déjà ce qui se passe quand tu me parles. Well, eh bien, je pense que tu ferais mieux d'y... Il faudra vraiment qu'on prévienne les ennemis à propos d'elle, Chris. Suzy, The Violet, le tourmenteur violet, est maintenant votre allié. Le pouvoir de cette fille méchante brûle en toi. Enfin, mine, voilà. C'est pas vraiment méchante, mais tu me comprends. Hé, gamin. Tu veux acheter quelques tutoriels? C'est seulement 50 Dark Dollars. Ah, c'est des dollars avec ma tête. C'est cool. Ouais, sérieux? Tu vas vraiment l'acheter? Ok, les gars. C'est par ici. Il m'a l'air chelou ce mec. Hé hé!
Bonjour, jeune voyageur. Where Legendary, ok. À vous, Turcell. Je m'appelle Sim, mais ça se prononce Shaun. Donc Shaun, en gros. Et voici ma petite échoppe. À travers les années, j'ai collecté beaucoup d'objets. Jusqu'à la fin. Bien sûr, je n'ai pas d'attachement à propos de... C'est juste un hobby que j'ai. Tout autour d'ici, vous allez trouver de quoi passer le temps. Ou vous énerver avec les gens. Il y a longtemps, les peuples... Alors, les Darkness, on va les appeler les peuples des ténèbres. Et les Lightners, on va les appeler les peuples de la lumière. Il y a longtemps, le peuple des ténèbres vivait en harmonie avec le peuple de la lumière. Les Luméens et les... Et les ténébrins, je sais pas... Bref. Ils étaient comme des dieux pour nous. Nos protecteurs, nos créateurs. Gave us, qui nous ont donné purpose, je sais pas. Ils nous ont donné une raison de vivre, une raison d'exister. Mais un jour, ils se sont tous enfermés loin dans une prison. Et... Les peuples de la lumière n'est jamais revenu. Suite à ça, le roi a pris les armes. Et a décidé de reprendre... a décidé de prendre sa revanche contre les... le peuple de la lumière qui nous a laissé derrière. Bien sûr, même avec ses troupes qui étaient si distantes, je sais que les gens de la lumière vont revenir. Alors là, je suis en train de me demander, est-ce que les gens de la lumière, justement, c'est pas les gens de la surface? Et que les gens de la... Enfin, le peuple des ténèbres, c'est ceux du... Comment dire? Genre les gens de l'underground, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Kingdom. Historiquement parlant, cet endroit est né gouverné par les quatre rois du château des cartes. Ah, donc le château des cartes, c'est du coup pour ça qu'il y a un mec en forme de tête de pique. C'est parce que son père, ça doit être le roi de pique, du coup, je suppose. De l'Est. Mais récemment, un étrange chevalier est apparu. Et... Trois de ces rois ont été enfermés loin. Ça me rappelle que ce roi les a mis son étrange fils au pouvoir. Ah, donc c'est pour ça en fait. Et cet endroit n'a jamais été un tel bordel depuis ce moment-là. Mais vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, n'est-ce pas? Donc vous êtes les héros qui allez sceller la fontaine, n'est-ce pas? Bonne chance. Ça ne fait aucune différence pour moi. Après tout, la lumière ou les ténèbres. Lumière ou ténèbres, ça... C'est un futur qui est plus noir que ma condition actuelle. Très bien, mec. Bye. Dark Candy, Dark Burger. Tout est dark ici, j'aime bien ça. Alors ça, c'est pour les armures. Et ça, c'est Spooky Sword. Je veux pas acheter d'armes, hein, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Amber Card, je ne sais pas ce que c'est. Je vais acheter, c'est une... C'est une armure, écoutez. Exit. J'ai pas besoin d'acheter de la bouffe pour le moment. Il me reste des bonbons, ça devrait aller. Je vais aller acheter le tuto du gars, là. Mais avant, je vais sauvegarder. Ouah, c'est quoi ça? C'est des Teletubbies ou je sais pas quoi? On est désolé, normalement on est des pièces de puzzle, mais on est obligé de faire ce tutoriel jusqu'à la fin de notre rencontre. Quand le roi a été au pouvoir, il a viré tout le monde et il les a replacés il a remplacé tous les créateurs de puzzles par lui. Rootscard, le roi des puzzles, soyez amus. Enfin, bref, il a remplacé par un gars. Je suis le master des téléportations. Demande-moi à propos des TP. What's TP? Ah, d'accord. C'est les... spell points, quoi, du coup. When you see that orange bar, cast some spell. When it's filled up far. Non! C'est du papier toilette! Non, ça veut dire point de tension. Ah, voilà, merci, j'allais dire. Quoi, vraiment? Je suis le papier toilette, mec. Secret. Ralsei adore quand vous lui donnez de l'argent. Il va te
te faire un câlin et t'appeler Monet. Hein? Mais c'est pas vrai! T'as pas besoin de Monet pour que je fasse ça. Il raconte que des conneries en fait. Suzy attaque tout le temps les gens sur le côté. Elle va les défoncer et les mettre en pièces. Elle attaque tout le temps la première chose qu'elle voit. Oh non, elle me regarde! Suzy adore quand vous lui donnez du fric, elle va. Non, j'en ai rien à foutre. Chris Master. Demande-moi à propos de Chris. Ok. Donation all. If you like our tutorial, please throw your money into the all. J'envoie 1$. Le trou est rempli. N'importe quoi. J'aurais juste donné 1$ au gars. À bientôt ou pas. Alors moi c'est bon. C'est mieux que rien. Bon voilà, on est équipé, on est prêt. Ça va être super. Là il y a une porte, c'est ce que je vois. C'est une encadrure de porte, mais pour une raison inconnue, vous pouvez pas voir à travers. C'est quoi, c'est encore Gaster ces trucs là? Flip my flap jack. Lui, vraiment ils font des jeux de mots et des trucs qui sont intraduisibles quoi, c'est chiant. Les clowns sont de retour en ville. Mauvaise nouvelle. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques minutes. J'ai créé une nouvelle manière de vous vaincre. Même la meuf violette pourra pas me stopper maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à... Tais-toi. Arrête de parler, vraiment. Oh oh oh. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Pourquoi t'arrêtes pas de dire ça? Bah c'est mon rire maléfique quoi, tu vois, c'est flippant, non? Non mais mec, on dirait un bébé Père Noël. Tu veux dire... D'une manière badass? Tais-toi. Tu sais comment être flippant? Non. C'est faux. Mec. Tu penses que les... Que les durs en devenir comme toi. Mais en gros, les gens qui jouent les gros durs comme toi m'énervent. Rends-toi sans compte. Tu ne sais pas ce qui est flippant. Si je te chopais et que je bouffais ta face. C'est pas vrai. Oh, vraiment. Alors pourquoi tu me le prouves pas? Va commencer avec la partie où ton où ta tête va être déchirée, où ton visage va être déchiré. Ah, ok, j'ai compris. Merci, Purple Girl. Hein, quoi? C'était vraiment très sympa de ta part de me montrer comment être flippant avec un vrai rire flippant. Et je ne voulais pas. Et maintenant. Vous allez être détruits. Joyeux Noël. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Ouais, je suppose que c'était une sorte de truc improvisé. Ok. Act. Befriend. Warning. Fighting, I love fighting. Ok, très bien. Wouah! Ce combat de la mort, mec. Encore un puzzle. Oh, regarde, Chris. Un autre puzzle. Oh non. Allons lire les instructions.
Les instructions ont été vandalisées. Ça dit... vous, bande d'idiots, vous ne serez jamais maintenant. Et enfin, niquer les instructions, c'est complètement contre les règles. Et après, ça dit, PS, je fais mes propres règles. Ouais, bon, bah ça explique ça maintenant. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas passer juste au-dessus de ces trucs? Parce qu'on serait empalé et on crèverait. Cool. Je vais travailler sur ça et vous allez faire le puzzle. Ok. Fais de ton mieux, Chris. Tu déplaces les caisses, non? Ouais, voilà. À l'ancienne. Bien joué, Chris. Je pense que tu tiens quelque chose. Eh, Chris, laisse tomber à chaque fois. Je ne le sens... Je le sens, c'est vraiment cool, je sais pas. Voilà, j'ai du mal à traduire, hein, vraiment. Bon, en même temps, il est vraiment 1h38 du matin, là, je suis un peu dead, hein, vous voyez. Tu l'as fait, Chris. Bien joué. En fait, le problème, c'est que... Je sais pas comment vous expliquer. Je l'avais déjà expliqué quand j'avais fait le let's play sur IB. J'ai aucun mal à comprendre ce qui est écrit. C'est juste à le retranscrire, à le retraduire, j'ai du mal, en fait. Je sais pas pourquoi. Bon sang, je vais pas avoir besoin de m'empaler. Oh, laissez tomber, allons-y. Bien joué, Chris. Y'a pas un moyen de sauvegarder là ou. On peut pas sauvegarder en fait, d'accord. J'aurais bien aimé sauvegarder en fait avant de partir. Et je veux pas le fight, qu'est-ce que tu me racontes? Ok. C'est quoi cette zone? Ok, ben on va peut-être pas aller par là d'abord. Ah non, mais je veux pas les raffronter. Eh merde. On peut pas fuir? Wouah. S'il y a moyen de retourner en arrière pour sauvegarder, je veux bien. Alors ce qu'il y a en haut, on verra bien. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc il faut le mot de passe, j'ai pas le mot de passe. On va encore devoir repasser en bas, c'est bien. Non! Voilà, ça c'est réglé. Quand tu marches dans la lumière, tu retourneras là où tu étais avant. J'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ça? What the shit, mec? Con man. Warning. Ok. Putain, ça envoie des carreaux là. Acte. Suzy fall asleep. Oh, c'est trop bien. Voilà. Parfait. Oh non, attends.
Il est tout bizarre lui, non? Donc tu as réussi à placer, à passer le grand plateau. C'est le milieu, l'endroit du milieu de notre château. Impressionnant. Mais quelle honte. Parce que tu ne feras pas un pas plus loin. Parce que Méga et moi, nous allons t'écraser jusqu'au sang. Beaucoup de sang. Du sang qui fait splash. Vraiment dégueulasse et mauvais. Ok, mec. Et meuf Violette, c'était assez flippant. Et pourquoi tu me demandes juste à moi? Parce que t'es vraiment cool à être terrifiante. Je veux être aussi terrifiante que toi. Tu veux être comme moi? Ouais. Ouais, eh bien c'est stupide. Mais ouais, le nouveau rire n'est pas si mal. Et dire que tu vas nous écraser jusqu'au sang, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce seau d'ailleurs? C'est pour mettre le sang dedans. Oh. Bah ouais, je suis pas supposé foutre un bordel. En tout cas, merci pour tes retours. Je me sens vraiment plus flippant maintenant. Ouais, pas de problème, je pense. Donc, du coup, vous allez nous attaquer ou... Oh, ouais. J'étais tellement excité que j'ai oublié de ramener Méga. Bon, et la prochaine fois, ça sera la fin pour... Eh, hey, j'ai oublié de vous traiter de clown. Est-ce que votre team a un nom officiel ou quelque chose? Oh, Chris. On devrait choisir un nom. Non, on devrait pas. Ok. Donc, tout le monde met un nom dans le seau. Alright. Tout le monde a mis un nom dans le seau. Alors. Blue person, you can choose. Personne bleue, tu peux choisir. Parce que tu as l'air de t'en foutre. Neat pepper. Crumbled pepper. Lancer la belette pepper. Alors, il y a papier froissé. Papier normal. Enfin, papier genre clean, tu vois. Et papier de où il est marqué Lancer dessus. Donc, en gros, il y a lui qui a choisi un nom. Le papier froid. Moi je veux le nom de Suzy, ça va être rigolo. Ok, et donc votre nom sera... Oh, je suis pas sûr que je sois autorisé à dire celui-là. Ça se prononce The Quad. À mon avis c'est un truc genre The Fucking Squad, genre le putain, la putain d'équipe. Waouh. Je ne suis même pas autorisé de dire ça, c'est un... C'est un gros mot de niveau 2. Waouh, votre père doit vraiment être cool. Et on peut pas choisir un nom différent? Oh, tu sais, Ralsei, t'as pas besoin d'être dans notre squad si tu veux. Ouais. Ouais, pourquoi je ne viendrais pas dans votre équipe et toi tu deviendrais pas le méchant? Bah, je redouble par-dessus parce que j'avais mal traduit. Moi je vais appeler mon père. Je vais lui dire qu'il a un nouveau fils. Et. N'importe quoi. Et ensuite on devra aller prendre une douche à chaque fois qu'on lira un gros mot. Je vais prendre une douche, à chaque fois je lirai un gros mot ou je sais pas quoi. Ok, très bien. On va garder le nom mais je vais juste pas le dire. Moi aussi. Allez, salut les losers, c'est l'heure de la douche. Putain, on s'appelle genre la putain d'équipe quoi. The power of the fuck squad. Brille en toi. Bon, et eh bien voilà, on va s'arrêter sur la putain d'équipe et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Dark Sprite Angel, salut les amis.